Salut à tous, c'est Boula, on y va pour cette vidéo. Où que je vais vous dire. Désolé, encore une fois, que j'ai pas pu vous faire de vidéo ces temps-ci, parce que vu qu'il y a eu la reprise, je suis au collège. Ah, du chocolat. Lol. Oui, comme j'ai dit, vu qu'il y a eu la reprise du collège, vu que maintenant je suis au collège, donc du coup j'ai pas pu faire des vidéos ces temps-ci vu que mon emploi du temps est un peu chargé et tout, mais j'essayerai de faire des vidéos. Entre temps j'ai eu des cadeaux vu qu'il y a eu mon anniversaire, le petit VR box. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo là-dessus sur le VR box. Et j'ai un bijou de technologie. Attention. Une GoPro. Donc, je vais filmer avec ça. Plus vous voyez bien que c'est bien une GoPro. Hero Session. Attends, où qu'il est. Ah, voilà, le logo GoPro. C'est une vraie GoPro. Voilà. Et en plus, là, je l'avais mis pour enlever, mais avant il avait son trépied qui est juste là. Attendez, son trépied, ça va mieux comme ça. Voilà, son trépied. Et j'ai plein d'accessoires comme ça. J'en ai plein. Le petit chargeur qui fait plaisir. J'en suis sûre, il y en a quelques-uns, ils se disent, mais c'est quoi qu'il a en haut de sa chambre? Et oui, il fait des logos Rainbow Six Siege. Des logos, ça c'est Pulse, ça c'est Glaze, et ça c'est Capcom. J'en ai fait que 3. Et là, je vais essayer. Attendez, je vais fixer ma caméra. Comme ça, poc, comme ça. Bon, on s'en prend tout de suite. Bon. C'est bon, j'ai fixé ma caméra, ma GoPro à ici, et je filmerai tout le temps avec cette petite caméra, une petite merveille. Et s'il y en a qui se posent la question s'ils veulent l'acheter, bon, je vais vous dire quelques références, je l'ai déjà testé à faire quelques vidéos. En tout cas, sa qualité, elle est bien, elle est vraiment bien. Mais par contre, son seul inconvénient pour moi, parce que moi je voudrais bien faire l'urbex ou des trucs comme ça. Attendez, bon, c'est bon, je reprends. Oui, comme je vous le disais, voilà. Et vu que je fais de l'urbex, je vais bientôt faire de l'urbex. Wow, le soleil, voilà. Vu que je vais bientôt faire de l'urbex avec celle-là, son seul inconvénient, c'est qu'à. Oui, son seul inconvénient, c'est qu'elle peut pas zoomer. Elle ne peut pas zoomer. C'est son seul inconvénient. Sinon, elle est bien. Ah oui, aussi sa lumière. Il faut rajouter une lumière un peu sur le côté. Et aussi, il faut tout le temps avoir son portable sur soi. Sinon, elle se déconnecte et on peut plus faire des paramètres avec elle. Mais sinon, on peut faire des beaux trucs. Les photos, on peut en faire. Elle a même pas besoin de cache. Elle se met dans l'eau directement comme ça. Il n'y a pas de problème. C'est juste pour la brancher. Il faut pas avoir les doigts humides. Parce que quand on ouvre cette petite trappe, c'est pour la charger. Donc du coup, voilà quoi. Donc si la vidéo vous a aimé, lâchez un like, commentez et abonnez-vous. Si ça vous a plu, voilà. Et puis, ne vous inquiétez pas, ça sera la dernière vidéo que je vais faire avec mon portable. Sinon, ça sera tout le temps avec ma GoPro. Bon, je vais vous dire à tout à l'heure. Ciao, ciao.